I told you the story of my baptizing Scott. Do you remember? Je vous ai raconté l'histoire du baptême. And Scott. Yes, Scott. Son pote nous en parlait ce matin. Scott was a drug addict. Scott était dépendant à plusieurs drogues. His drug of choice was methamphetamines. Meth. Wow. Et il était accro à la méthamphétamine. Donc c'est de la drogue, c'est pur produit chimique, c'est vraiment de la cochonnerie. After we baptized him. Donc après qu'on l'ait baptisé. I met with him in discipleship. Qu'on a fait de lui un disciple de Jésus, quoi, qu'on l'a. And every week he would be doing more drugs. Et plus il suivait les cours de disciples, plus il prenait plus de drogue, c'est ça? Yeah. He was disciplining him and he was taking more and more drugs. Yeah, every week, not while he was with me. Ah oui, non, c'est pas Nils qui prenait de la drogue, hein, c'est Scott qui continuait, ok? D'accord. Ils échangeaient des trucs, mais pas jusqu'à là, quand même. I want to be in his discipleship group. Moi, je veux être un disciple de Scott à la fin, mais finalement. Non. So he wasn't stopping the drugs. Donc, on était en train de le former, de lui enseigner la Bible, mais il arrêtait pas de prendre de la drogue quand même. But he was still a part of our church. Mais il continuait, il venait à l'église quand même. So I took him to live in my home. Et en fait, je l'ai invité à vivre à la maison. And he stopped doing drugs while he lived with me. Et en fait, il a arrêté de prendre de la drogue quand il vivait chez moi. But when he went back home, he immediately went back on drugs. Mais quand il est retourné vivre chez lui, il est retombé dans la drogue immédiatement. He got arrested for driving under the influence. Et donc, il a été arrêté pour conduite sous emprise de produits stupéfiants. So he was given a sentence where he had to go to a 12-step recovery group. Donc il a été condamné par jugement à être dans un groupe de genre alcoolique anonyme mais pour la drogue quoi. And he also had to have random drug tests. Et régulièrement il devait avoir des prises de sang comme on a avec les gamma GT pour voir si on prend encore de la drogue ou pas. But he still was doing drugs. Mais néanmoins il continuait à prendre de la drogue. So finally I said, I don't think you're good soil for the gospel, Scott. Donc je lui ai dit, je crois pas que tu peux semer. Quoi? Ah, je crois pas que tu sois une bonne terre, Scott, pour recevoir l'évangile. Because Jesus said there's four kinds of soil. Parce que Jésus a dit qu'il y avait trois. Là, ça fait 3,5 chez moi, c'est pour ça en fait. Non. Mais il y a 4 différents styles de sol. One will not receive the gospel. Il y a un seul qui est pierreux, qui ne reçoit pas l'évangile du tout. But 3 receive the gospel. Mais il y en a 3 qui reçoivent l'évangile. And only one bears fruit. Mais il y en a seulement un qui porte du fruit. So I told Scott, I don't think you're good soil. Alors j'ai dit à Scott, je ne pense pas que tu sois le bon sol. We gave you Jesus. On t'a donné Jésus. You're baptized. T'as été baptisé. You're in church. Tu vas à l'église. You're in discipleship. T'es en train de suivre une formation de disciples. You have drug testing. T'as des drogues tests. And you are in a recovery group. Et en plus t'es dans un groupe de sevrage. And nothing is helping you. T'es dans un groupe de désintox et en plus il y a rien qui t'aide à t'en sortir. And I am running out of ideas to help you. Et là, franchement, j'arrive plus à trouver des idées nouvelles pour essayer de t'aider quoi, à t'en sortir. Scott started to cry. Et Scott, il s'est mis à pleurer. And he said, I don't want to be bad soil. I want to be good soil. Et il a dit, moi, je veux pas être un bon sol, un mauvais sol. Je veux être un bon sol. Je veux porter du fruit. He said, is there anything else we can do? Est-ce qu'il y a une chose en plus que je pourrais faire pour essayer d'être ce sol qui porte du fruit? I said, there's one more thing we could try. Encore une seule chose qu'on pourrait essayer. Right now, we get in the car. Maintenant, tout de suite, on monte dans la voiture. And we drive across town. Et on traverse la ville en voiture. And we find your drug dealer. Et on trouve ton dealer de drogue. And we tell your drug dealer about Jesus. Et on lui parle de l'évangile. He laughed.
Il s'est marré. I said, I'm serious. Il a rigolé, je dis non, mais moi je suis sérieux. There is darkness in your soul. Il y a de la noirceur, il y a des ténèbres dans ton âme. And the only cure for darkness is light. Et le seul remède aux ténèbres, c'est la lumière. Paul said, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Paul a dit, ne sois pas vaincu par les ténèbres, mais au contraire, toi, domine sur les ténèbres par la lumière. He said, okay. Parle bien. He said, okay, I will do that. Il a dit, ok, on va faire ça. But you stay here. Mais toi, tu restes ici. Because if my drug dealer sees you, they will not come out of the house. Parce que si toi tu restes ici, tu m'attends ici, parce que si mon dealer il voit que je suis accompagné par toi, il va pas sortir de la maison, il va pas se montrer. Because you look like a police officer. Parce que t'as une tête de flic, alors il va pas sortir. Okay. He goes and he gets his drug dealer. Donc on est allé devant chez son dealer. His drug dealer is the mother that lives next door to him. Et en fait, son dealer de drogue, c'est une mère de famille qui habite en face de chez lui. He tells her about the gospel. Et il lui a parlé de l'évangile. She did not receive Jesus that day. Et elle n'a pas accepté Jésus ce jour-là. One year later, in prison, she would receive Jesus. Un an plus tard, elle a reçu Jésus en prison. But on that day, her 13-year-old son gave his life to Christ. Mais en ce jour-là, son fils de 17 ans, j'ai du mal avec les chiffres, son fils de 17 ans a donné sa vie à Jésus. Shared the gospel voilà, with his mom. Scott, il a témoigné, son fils de 13 ans, sa mère, elle ne s'est pas convertie, mais son fils, il a accepté l'évangile de 13 ans. The drug dealer had a son who was 13. Donc, merci. Donc, la mère qui dealait de la cam, elle avait un fils qui avait 13 ans. And he became a Christian. Et lui, il a accepté Christ, il est devenu chrétien. And then Scott and this boy John told their friend KC about Christ. Et donc ensuite Scott et ce garçon nommé Jean, ils ont partagé l'évangile avec une de leurs amies qui s'appelait KC. And then Scott and John and KC told Sam about the gospel and he became a Christian. Et ensuite Jean, Scott et Cassie, ils ont partagé l'évangile à un ami qui s'appelait Samuel et il est devenu chrétien. And Scott no longer wanted to do drugs. Et Scott, il ne voulait plus prendre n'importe quel type de drogue. I think we underestimate the power of the gospel. Et je pense qu'on sous-estime le pouvoir de l'évangile. The gospel has become something we receive so that when we die we go to heaven. L'évangile c'est devenu comme quelque chose qu'on reçoit pour qu'on puisse gagner notre ticket pour le paradis quand on meurt. And we think that the gospel is for non-Christians. Et on pense que l'évangile c'est pour les non-chrétiens. But it is the power of God for everyone who believes. Mais il est dit que l'évangile c'est une puissance de salut pour quiconque croit. I believe. Et moi je crois. So the gospel is the power in my life. Et l'évangile c'est la puissance dans ma vie. And I need the gospel now more than when I first believed. Et j'ai besoin de l'évangile maintenant, de cette bonne nouvelle, autant que le premier jour où je me suis converti. Every change that ever comes in my life comes because of the gospel. Change in my life, transformation, growth. Tous les changements, toutes les transformations, toute la croissance qui a lieu dans ma vie, tout ça, ça arrive à cause de l'évangile. But the gospel is not just information that you have. Mais l'évangile c'est pas juste une information intellectuelle que tu gardes comme ça. It is not just truth that you receive, it is truth that you give. C'est pas juste une vérité que tu reçois et que tu gardes pour toi, mais c'est vraiment quelque chose que tu redonnes à l'extérieur. When Scott shared the gospel with others, the gospel had a powerful effect on his life. Et quand Scott a partagé l'évangile avec d'autres, alors l'évangile a eu encore un effet puissant dans sa propre vie à lui. So many Christians want the power of God, but they do not share the good news. Il y a tellement de chrétiens qui veulent avoir la puissance de Dieu, mais en même temps, ils partagent pas la bonne nouvelle. God has given you power, you're just not using it. Dieu t'a donné une puissance et tu ne l'utilises pas. So I want to talk about ways to plant the gospel. Alors je vais vous partager différents moyens de planter, de partager l'évangile. The gospel is
something that gives you eternal life. L'évangile, c'est quelque chose qui te donne la vie éternelle. I'm sorry, this is not a real Jesus. Je suis désolé. Ça, c'est pas un vrai Jésus, là. C'est un acteur. He doesn't have blue eyes. Jésus, il a pas les yeux bleus. This is Hollywood Jesus. Ça, c'est le Jésus d'Hollywood, ça. In Hollywood, Jesus always looks like Brad Pitt. Les Jésus d'Hollywood, ils ressemblent toujours à Brad Pitt. I'm sorry. Désolé, c'est pas vrai. C'est celui qui l'a trouvé. It is true that when you die, you will go to heaven if you receive the gospel. C'est vrai que le jour où tu vas mourir, tu vas aller au ciel à cause de l'évangile. But the gospel is more than a ticket to heaven. Mais l'évangile est beaucoup plus qu'un ticket pour le paradis. It is not something that only gives you the blessing when you die. C'est pas quelque chose qui te donne une bénédiction le jour de ta mort. It is something that can bless your life every day. C'est quelque chose qui peut t'apporter une bénédiction et une puissance tous les jours de ta vie. It is not just about you going to heaven, it is about heaven coming to you. C'est pas juste toi qui vas au ciel, mais c'est vraiment le ciel qui descend à toi. And Jesus is the gospel. Et Jésus, c'est l'évangile incarné. All of Jesus is the gospel. Toute la personne de Jésus, c'était l'évangile. And we need to give people the whole Jesus. Et on doit partager aux gens Jésus dans son intégralité. Now, I have given my life to planting churches. Moi, j'ai donné ma vie, j'ai tout investi de ma vie pour implanter des églises. The most honorable thing you can call me is a church planter. Le titre le plus honorifique avec lequel tu peux m'appeler, c'est celui d'implanteur d'église. But I've spent my life planting churches. Et j'ai passé ma vie à implanter des églises. But I went through my Bible one day and realized the Bible never told us to plant churches. Et en fait, un jour, je me promenais dans la Bible, en parcourant la Bible, j'ai réalisé un jour qu'en fait, Dieu ne nous a jamais demandé d'implanter des églises. We are supposed to plant something, but it's not a church. On est supposé planter quelque chose, mais ce n'est pas des églises. We are supposed to plant the gospel. On est supposé planter l'évangile. The gospel changes lives. C'est l'évangile qui change les vies. Church does not change lives. C'est pas l'église qui change les vies. Church is the result of changed lives. L'église, c'est le résultat de vies changées. It is not the way to change a life. C'est pas un moyen pour changer la vie des gens. C'est des gens qui ont la vie changée qui se rassemblent. And too often we are giving people church instead of Jesus. Et trop souvent, on donne à Jésus aux gens une église au lieu de leur donner Jésus. The Bible does not say, for God so loved the world that he gave his only begotten church. La Bible ne le dit pas, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son église unique. So now I tell people, don't plant churches, plant the gospel. Donc maintenant je dis aux gens, mais n'implantez pas des églises, plantez l'évangile. When people receive Jesus, quand les gens reçoivent Jésus, and he changes their life, et qu'ils changent leur vie, they will want to meet as a family. Eux, ils vont vouloir se rencontrer comme une famille. Church will be the result of the gospel. Et l'église, eh ben, ça va être le résultat d'avoir planté l'évangile dans But cette the communauté. Gospel must come first. Mais vraiment, on doit planter l'évangile d'abord. Unfortunately, go ahead. Et l'église viendra après. Mais malheureusement, unfortunately, many times we just start with church. Malheureusement, tellement souvent, on commence avec l'église. Let me tell you a story. Je vais vous raconter une histoire. I was asked to do training on a small island off the coast of China. On m'a appelé pour donner une formation dans une petite île sur la côte en Chine. I had never been to this island before. J'étais jamais allé dans cette île avant. My friend and I flew all the way across the ocean. Donc un pote à moi et on a traversé l'océan en avion. We landed in Japan. On a atterri au Japon. Well, we took another flight to this island. Et on a pris un autre petit avion pour aller dans cette île. And we got off the plane and it was midnight. On est descendu de l'avion, c'était à peu près minuit. Now, as I often do, et comme je fais souvent, I forgot to make arrangements for who was going to pick me up.
J'ai oublié de m'arranger, enfin de mettre d'accord sur quelle qui est-ce qui venait me chercher à l'aéroport. I just show up and something happens. Je me suis juste pointé comme ça et il y a quelque chose qui est arrivé. So I walked down to the baggage claim and looked around, kind of dumb. Je suis allé à l'endroit où je récupère mes bagages et puis j'ai regardé un peu partout. And a short man came and took my luggage and walked away. Et il y a un tout petit bonhomme qui est venu, qui m'a pris mes bagages et qui a commencé à partir. And I'm hoping that's the guy. Alors j'ai dit, j'espère que c'est le gars qui est supposé me prendre, sinon je vais piquer ma valise. So I followed him. Donc je l'ai suivi. He put my suitcase in his trunk. His boot. In his what? Trunk, boot, back of the car. Ok, donc il a mis ma valise dans le coffre de sa voiture. And he got in the car. Et il a monté dans la voiture. So I got in the car. Alors moi, je suis monté dans la voiture aussi. Hoping this was the guy. En espérant que ce soit bien le gars qui m'amène à l'église. We drove for 4 hours, 5 hours. On a conduit pendant 5 heures. When we arrived, the sun was coming up. Et quand on est arrivé, le soleil se levait. He stopped in front of a building. Il s'est arrêté en face d'un bâtiment. And this is where the story gets weird. Et c'est là que l'histoire elle devient vraiment chelou. I've never been on this island, but I've been to this building. Je suis jamais allé dans cette île, mais j'étais déjà rentré dans ce bâtiment. I recognize the stairs. J'ai reconnu les marches. And the pillars. Les escaliers, les piliers. And the roof. Le toit. I walked into the building. Je suis rentré dans ce bâtiment. And I recognized the pews. Et j'ai reconnu le revêtement du sol. The red book of song book inside the pocket of everyone. J'ai reconnu les recueils de chants derrière les bancs de chacun. I got up to speak behind a pulpit. Et je me suis levé pour parler derrière un pupitre. And there was a musical instrument on my right. Et il y avait des instruments de musique à ma droite. Do you know what it was? Vous savez ce que c'était? Un orgue? Non. You don't know? Vous savez pas? It's a piano. C'était un piano. And on my left, guess what was on my left? Another musical instrument. Et à ma gauche, vous savez ce qu'il y avait? An organ. Un orgue. Maybe you've been to this building before. Vous êtes déjà allé dans ce bâtiment aussi. This building is everywhere. Et en fait, ce bâtiment, il est partout. It is what we call church. C'est ce qu'on appelle une église. And what people have done is plant a church and not plant the gospel. Et en fait, ce que les gens avaient fait, ils avaient construit une église, mais ils n'avaient pas planté l'évangile. So I asked the people, in your culture, do you have any kind of building that functions and looks like this? And they said no. Et je vous demande, dans votre culture, est-ce qu'on a n'importe quel autre bâtiment qui a été construit de cette manière-là? It was Americans who planted this church. C'était des Américains qui avaient implanté cette église ici, qui l'avaient construite. So I take responsibility for that church. Alors j'ai pris la responsabilité de cette église. But I want you to know it was the Europeans that taught us how to do church. Mais je veux vous dire que c'était les Européens qui nous ont appris comment organiser l'église. So it's your fault. Alors c'est votre faute. The gospel is the only power of God to change lives and form his kingdom on earth. L'évangile, c'est la seule puissance qui peut changer des vies et peut incarner la puissance de Dieu sur la terre. You can plant it in any soil in the world and the indigenous church will emerge. Tu peux planter cette semence de l'évangile dans n'importe quel sol du monde. Et alors là, il y a une église indigène, c'est-à-dire conforme à la culture de ce pays, qui va pousser. So let me talk to you a little bit about who you are. Alors laissez-moi vous parler un peu de qui vous êtes. I don't know your name. Je ne sais pas qui vous êtes. I don't know your background. Je ne connais pas votre nom, votre arrière-plan. I don't know what you do for a living. Je ne sais pas ce que vous faites dans la vie. But I'm going to tell you about you. Mais je vais vous parler de vous. If you are in Christ, si vous êtes en Christ, you have the authority of Christ with you as you share the gospel. Vous avez l'autorité de Christ en vous alors que vous partagez l'évangile. All authority of heaven and earth is with Jesus. Toute autorité dans le ciel ou sur la terre était en Jésus. And Jesus is with you. Et Jésus, il est en vous. So
You don't have to get permission from anyone to tell people about Jesus. Donc, vous n'avez pas à attendre la permission de qui que ce soit pour parler de Jésus à quelqu'un. Because there is no one on this planet that has more authority than Jesus himself. Parce qu'il n'y a personne sur cette planète qui a plus d'autorité que le Christ lui-même. You also have the power of God. Vous avez aussi la puissance de Dieu. Jesus said, "You will receive power when the Holy Spirit has comes upon you, and you will be my witnesses." Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. It's interesting that you carry that power, and it is evident as you share the gospel, not receive it. Excuse me. You have the power of the Holy Spirit, and it is most seen when you share that gospel rather than just receive it. Vous avez cette puissance du Saint-Esprit qui est en vous, et elle se révèle pleinement quand vous partagez l'Évangile, pas juste quand vous le recevez. Scott understood the gospel here, but it wasn't until he was witnessing the gospel that the power changed his life. Scott, il avait compris l'Évangile, il avait reçu l'Évangile, et pourtant cette puissance de l'Évangile, elle s'est pleinement illustrée dans sa vie quand il a commencé à partager l'Évangile. And you have this power if you have the Holy Spirit. Et vous avez cette puissance si vous avez parce que vous avez le Saint-Esprit. But you also have the mind of Christ. Mais vous avez aussi la pensée de Christ. 1 Corinthians 2:16 says we have the mind of Christ. 1 Corinthiens 2:16 dit vous avez la pensée de Christ. How many times were you afraid to share the gospel because you thought you weren't smart enough to lead them to Christ? Combien de fois vous avez eu de la crainte et vous n'avez pas osé partager l'Évangile parce que vous vous êtes dit je suis pas assez intelligent ou je suis pas assez qualifié pour amener cette personne à Christ? How many times have you been afraid I won't have the right answer for their question? Combien de fois vous avez eu peur, vous avez dit mais je vais pas avoir les bonnes réponses face aux questions qui vont m'être posées? Who is the smartest person in the universe? Qui est-ce qui est la personne la plus intelligente de l'univers? That person you have access to. C'est cette personne, la personne de Jésus, vous y avez accès. You have the mind of God. Vous avez la pensée de Dieu. And if that's not enough, you also have the words of God. Et si ça suffisait pas, vous avez encore la parole de Dieu. Jesus said many times. Jésus a dit plusieurs fois. You will go before men, and you will have to share the good news. I'm summarizing it. You will stand before men and preach the gospel. Ouais, ne vous prenez pas la tête avec ce que vous devriez dire, mais au contraire, tenez-vous devant les gens avec assurance et partagez l'Évangile. Don't worry about what you have to say. Ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire. Because the Spirit of your Father will be speaking through you. Parce que l'Esprit de votre Père parlera au travers de vous. In another passage, he said, as you stand before men. Et dans un autre passage, il est dit, alors que vous tiendrez devant les hommes, do not worry in advance. Ne vous faites pas de soucis à l'avance about what you're going to say. De ce que vous allez devoir dire. Because the Holy Spirit will speak through you. Parce que le Saint-Esprit parlera au travers de vous. He also said, il est dit aussi, make up your mind now not to worry about then. Make up your mind in advance not to worry before you share the gospel. Entraînez votre esprit à ne pas vous faire de soucis à l'avance. Because Jesus himself will give you the words. Pour votre défense, parce que Jésus lui-même vous donnera les mots. You have the words of the Father, of the Spirit, and of the Son. Vous avez les mots qui vont vous être donnés de la part du Père, du Fils et du Saint-Esprit. These are powerful words. Ça, ce sont des mots de puissance. When God speaks, there is a universe. Quand Dieu parle, il y a un univers. He says, "Let there be light," and boom, light exists. Il y a juste à une parole de Dieu, Dieu a créé l'univers. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. His word holds the molecules of the world in together. C'est la parole de Dieu qui tient les molécules du monde ensemble. He has words of life, and those words will flow through you. C'est lui qui a les paroles de la vie, et cette parole de la vie, elles vont être
couler au travers de vous. So don't worry about what you have to say. Alors ne vous inquiétez pas par rapport à ce que vous allez devoir dire. Don't worry in advance about what you have to say. Ne vous faites pas de soucis à l'avance des propos que vous allez avoir à tenir devant les gens. In fact, right now, make up your mind not to worry in advance about what you're going to say. Maintenant, entraînez votre esprit à ne pas vous faire de soucis par rapport à ce que vous allez devoir dire devant les gens. Part of our problem is, une partie de notre problème est le suivant. We worry about what we're going to say. On se fait du souci par rapport à qu'est-ce qu'on on va devoir dire. And then we plan what we're going to say. Et ensuite, on fait nos plans, on planifie qu'est-ce qu'on va dire. And then when we get in the situation, we say what we planned. Et en fait, quand on arrive devant la situation, eh ben, on s'en tient à notre plan. And our minds and our mouths are filled with our words instead of God's. Et notre intelligence et notre bouche, ils sont remplis de nos mots au lieu de qu'on s'attende à recevoir les mots qui viennent de Dieu. You cannot speak light into existence. You don't have that power. Tu ne peux pas amener la lumière par toi-même. Okay. But God can. Mais Dieu peut amener. Dieu est la lumière et Dieu il peut l'amener la lumière. So what he's saying is, make up your mind in advance that you will not prepare ahead of time. Donc qu'est-ce qu'il est? Il est dit, mais entraîne-toi à ne pas te faire du souci à l'avance pour vraiment laisser à Dieu toute sa place. And don't worry, just say what he gives you to say. Et ne t'inquiète pas par rapport à ce que tu vas devoir avoir à dire. In other words, have more confidence in the Holy Spirit than you have in yourself. En d'autres mots, pour paraphraser, fais plus confiance au Saint-Esprit que tu te fais confiance à toi-même. And if the Holy Spirit doesn't give you words, et si le Saint-Esprit ne te donne pas les mots, then don't say anything. Bah alors dis rien. And if he gives you words, mais s'il te donne des mots, say what he gives you. Partage ce qu'il te dit de dire. And even if it doesn't make sense to you, et même si ça fait aucun sens pour toi, it will make sense to the person you're talking to. Ça va avoir du sens pour les personnes qui reçoivent ces paroles. So when God speaks, you repeat what he says. Donc quand Dieu parle, répète ce qu'il dit. Okay. So when it comes to evangelism, donc quand on commence à parler d'évangélisation, what is success? Qu'est-ce que c'est le succès dans l'évangélisation? If you share the words that God gives you, si tu partages les paroles que Dieu te donne, you are 100% successful 100% of the time. Alors que là, tu es sûr d'avoir du succès à 100% dans 100% des situations. What if they don't receive Jesus? Et si les gens, ils n'acceptent pas l'évangile, ils ne reçoivent pas Jésus? You are still 100% successful 100% of the time. Et bien, même s'ils ne l'acceptent pas, tu as encore 100% de succès dans 100% des situations. Jesus said in the sermons we looked at this morning, Jésus a dit dans le sermon qu'on a étudié ce matin, if they receive you, they receive me. If they do not, if they reject you, they reject me. S'ils te reçoivent, eh ben ils me reçoivent, et s'ils te rejettent, ben ils me rejettent aussi. But it is not up to you whether they receive Jesus or reject Jesus. Mais ce n'est pas notre responsabilité si les gens acceptent Jésus ou s'ils le rejettent. It has never been. Ça n'a jamais été de notre responsabilité. In America, en Amérique, the average person has to hear the gospel once, twice, three times, four times, five times before they receive it. La plupart des gens, on a fait des sondages, et la plupart des gens, avant d'accepter l'évangile, il a fallu qu'ils l'entendent au moins 5, 6, 7 fois. If you are presenting, and here, 5 fois, je rajoute, 5 fois. Non, mais moi, c'est en France, oui, c'est en Amérique. 5 fois. I say 7 times, you say 5. That's why. In the States, it's 5. Bon, aux États-Unis, c'est 5. In France, it must be 7. En France, ça doit être 7, à mon avis. If you present the gospel the third time, si vous partagez l'évangile à quelqu'un pour la troisième fois, and they don't receive Jesus, et ils ne reçoivent pas Jésus, and then someone else shares the gospel the seventh time, and they do receive Jesus. Et ben la personne qui se pointe et qui partage l'évangile pour la septième fois. Which one of you was successful? Et qu'elle l'accepte à la septième, laquelle d'entre vous a eu le plus de succès? All of you are successful. Et ben tout le monde a eu autant de succès. And if you don't share the gospel the third time, they won't receive it the seventh time.
Parce que tout le monde a eu succès parce que vous avez obéi à ce que Dieu vous demandait. Si toi, tu n'avais pas partagé l'évangile la cinquième fois, et ben la personne, elle ne l'aurait pas accepté la septième fois. Paul said, I planted the gospel, Apollos watered, but only God causes the growth. Paul, il a dit, moi j'ai planté la graine, Apollos il a arrosé, mais on rend gloire à Dieu qui c'est lui qui fait pousser. Jesus said, you will reap a harvest someone else sowed. Jésus a dit, toi tu vas engranger la moisson que d'autres avaient plantée. But neither the one who sows nor the one who reaps is anything, but only God who causes it. Mais c'est pas celui qui a semé qui est important, c'est pas celui qui a récolté qui est important, c'est Dieu qui fait croître. So you don't have to worry about convincing them to believe in Jesus. Donc ne vous faites pas de soucis par rapport à convaincre les gens à croire en Jésus. All you have to do is share Jesus and it's up to them what they do with it. Tout ce que tu as à faire toi, c'est d'être fidèle et de témoigner de Jésus, de partager l'évangile et ensuite c'est à eux de voir ce qu'ils en font. When you share Jesus, you are 100% successful 100% of the time. Quand tu partages l'évangile, tu partages Jésus, tu as du succès 100%. Tu as du succès à 100% dans 100% des situations. You are never responsible for the results. Tu ne seras jamais responsable du résultat. So don't worry about that. Alors ne t'inquiète pas du résultat. Now, this is a problem for us. Et ça, c'est un gros problème pour nous. We do worry. On se fait du souci. And we do feel responsible. Et on se sent responsable. And we do believe that if you do it right, more people will get saved. Et on croit que si on fait les choses de la bonne manière, avec la bonne stratégie, il y a plus de gens qui vont être sauvés. We think some methods of sharing the gospel are more effective at saving people than other methods. On pense qu'il y a certaines recettes, certaines méthodes qui vont être plus efficaces pour sauver des gens que d'autres méthodes. I received Christ with a yellow tract called the Four Spiritual Laws. Moi, j'ai accepté l'évangile avec un tract jaune qui s'appelait les quatre lois spirituelles. Did the four spiritual laws save me? Est-ce que c'est ce petit tract jaune avec les quatre lois spirituelles qui m'ont sauvé? No. Non. Jesus saved me. C'est Jésus qui m'a sauvé. I know people who are saved by going through Alpha. Je connais des gens qui ont été sauvés en suivant un cours Alpha. And some are convinced that Alpha saves more people than four spiritual laws. Et il y en a qui sont convaincus que les cours Alpha, eh ben, ils vont sauver plus de gens que le petit tract jaune des quatre lois spirituelles. There is no method that ever saves anybody. Il n'y a aucune recette, aucune méthode qui sauve qui que ce soit. Any method that gives Jesus. Toutes les méthodes qui amènent Jésus. Is the best method. Toutes ces méthodes là, c'est les meilleures. Let me give you an example. Je vais vous donner un exemple. One of the partners on my team is an evangelist. J'ai un partenaire dans mon équipe qui est un évangéliste. His name is Ed Wakin. Il s'appelle Ed Wakin. He was trained by a Mexican evangelist named Juan Isais. Juan Isais. Ok, il a été formé par un évangéliste mexicain qui s'appelle Juan Isais. Juan Isais was considered the Mexican Billy Graham. Juan Isais, là, ce gars, il était considéré comme le Mexicain, le Billy Graham. Le Billy Graham mexicain. Led many people to Jesus. Et il a amené plein de personnes à Jésus. But Juan was not always an evangelist. Juan. Mais Juan, il n'a pas toujours été un évangéliste. Should we just say Jean? Juan. Okay. Juan was not always an evangelist. Juan, il n'a pas toujours été un évangéliste. Before becoming a Christian, avant d'être un chrétien, he was a bandido. C'était un bandit. He had the sombrero. Il avait le sombrero. The bullets across his chest. Les balles à la zapata et tout. The pistola. Les pistolets. He was a bad guy. C'était un bad boy. One day, his men, his band, were around a fire drinking tequila. Et un jour, son gang de potes, ils étaient autour d'un feu en train de boire de la tequila. Juan was not with his men. He was in the house watching a pornographic movie. Et il y en avait un qui n'était pas avec ses potes, il était dans la maison en train de regarder un film porno. Whoever filmed the movie didn't realize they left a plaque up on the wall. A plaque. Poster. Et je ne sais pas qui c'est qui filmait dans ce porno, mais en tout cas, ils ont pas fait gaffe que dans la maison où ils filmaient la scène de porno,
eh ben, il y avait encore une plaque qui était accrochée contre un mur. And on the plaque, it said, what does it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Alors, et donc, genre, dans le film porno, dans la maison où c'était tourné, il y avait une plaque comme là derrière où c'était marqué à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? And watching a pornographic movie, Juan became a Christian. Donc, vous avez compris le délire, hein? Et donc, Juan, en regardant ce film porno, il a lu ce verset biblique qu'il y avait au fond dans la scène porno et il est devenu chrétien devant ce film. I do not recommend this method. Donc, je recommanderais pas cette méthode pour évangéliser vos amis. But the gospel always works. Mais c'est juste pour vous dire que l'évangile, il marche toujours. Juan then went outside to his men. Donc, Juan, il est sorti rencontrer ses, voir ses amis qui étaient en train de boire de la tequila autour du feu de camp. He said, tomorrow we go to church. Et il a dit, demain on va à l'église. The men said, no, Juan, we don't go to church tomorrow. Et donc ses potes ils l'ont regardé, ils ont fait, tu rigoles, Juan, il n'y a pas moyen, demain on va pas à l'église. Juan said, no, tomorrow we go to church. Et Juan il a dit, demain on va à l'église. His lieutenant says, Juan, we're not going to church tomorrow. We're drinking tequila tonight. We're gonna have a hangover tomorrow. Il y en a un qui a dit attends mais non mais il y a pas moyen qu'on se lève pour aller à l'église demain on boit de la tequila on va boire de la tequila toute la nuit demain on aura trop mal à la tête pour aller à l'église. Juan took the lieutenant by the collar and threw him on the ground. Et donc Juan il a attrapé ce type par le col, il l'a plaqué au sol comme ça. He took out the pistol and put it in his face and tomorrow we go to church. Il a sorti son flingue, il lui a mis sur la tempe et il lui a dit demain on va à l'église. Okay, Juan, we go to church tomorrow. Alors ils ont dit, okay, Juan, demain on va tous à l'église. The next day they went to church. Et le jour d'après, tout le monde est allé à l'église. And Juan's lieutenant walked forward and gave his life to Christ. Et Juan, il s'est levé, il a donné sa vie à Christ. I don't recommend this method. Je ne recommande pas non plus cette méthode pour évangéliser vos amis. But there is no method that saves anybody. Mais il n'y a pas une méthode pour sauver quelqu'un. It is always Jesus that saves. C'est toujours Jésus qui sauve. And sometimes he uses the craziest methods. Et des fois, il utilise les méthodes les plus dingues. Because sometimes that's all we give him. Parce que parfois, c'est la seule chance qu'on lui laisse pour agir au Saint-Esprit, c'est des méthodes folles comme ça, quoi. But don't think if we do things differently, more people will get saved. Mais ne pensez pas que si on fait les choses différemment, il y aura plus de gens qui seront sauvés. But here's the reason why it's so important. C'est la raison pour laquelle c'est tellement important. We must put our faith in Jesus, not our methods. On doit mettre nos foi en Jésus et pas dans nos méthodes. We have to believe the gospel, not the way we share the gospel. On doit croire, être convaincu de la véracité et de la puissance de l'évangile et pas de nos méthodes pour amener l'évangile. You could have all the answers to every question and not lead someone to Christ. Tu peux avoir toutes l'argumentaire et toutes les bonnes réponses aux bonnes questions de quelqu'un et pourtant ne pas l'amener à Christ. You could win every argument and lose every soul. Tu peux remporter toutes les batailles de versets bibliques et toutes les batailles intellectuelles et pourtant ne pas ramener une âme à Christ. In the early days of our church plant, quand on a débuté l'implantation de l'église au départ, so many people far from church were coming to Christ. Il y avait tellement de gens qui étaient super loin de l'église qui venaient à Christ. And they were people that the church never reaches ever. Et c'était des gens que l'église n'avait jamais atteint avant. So some people heard about it. And they wanted to come and see the secret. Donc il y a certains chrétiens qui ont entendu qu'il y avait des gens, des super païens qui venaient à Christ et ils sont venus pour voir quel était le secret. My first pastor, quelle était la méthode? Et son premier pasteur, who had then become a missionary, qui était devenu missionnaire, and at this time was a trainer of missionaries. Et à cette époque-là, il était formateur de missionnaires. He trained them how to share the gospel. Il leur apprenait, mais comment partager l'évangile? How to defend the gospel? Comment défendre l'évangile? And how to win every argument for the gospel? Et ce qu'on appelle l'évangélisation apologétique, où on t'apprend à avoir toutes les bonnes réponses et à gagner tous les débats sur la foi. He heard about all of our fruits, so he came to see what we did.
Et il a entendu parler des fruits qu'il y avait dans cette église, donc il est venu voir comment on faisait. And he sat through one of our churches at night to learn the secret. Et il s'est assis dans un de nos rassemblements d'église pour apprendre nos secrets. Afterwards, he said, "Ah, I know the secret now." Et après, il s'est levé et il a dit, "Ah, je connais vos secrets maintenant." Said, "Oh, well, tell me the secret because I want to know it." Alors il lui a dit, moi j'aimerais bien que tu m'expliques le secret parce que je le connais pas moi-même, je veux le connaître. His answer was candles and incense. Et la réponse du gars de ce formateur, c'était la différence, c'est que vous avez des bougies et de l'encens. I said, "No, that's not the secret." Et non, c'est pas. Il dit non, je pense pas que ce soit le secret. If that were the secret, the Roman Catholic Church would be having revival. Si c'était ça le secret, l'Église catholique romaine, eh ben ils auraient eu des réveils depuis longtemps. I said, "Let me show you the secret." Je lui ai dit, laisse-moi te montrer le secret. The secret is not a method. Le secret, c'est pas une méthode. It is the gospel. C'est l'Évangile lui-même. But it is not just the facts about the gospel. Mais c'est pas des faits à propos de l'Évangile. It is the telling of the gospel. C'est vraiment partager l'Évangile. So I said, "Come with me," and I took him to Portfolio Cafe. Et je lui ai dit, viens avec moi. Je l'ai emmené au café Portfolio là. And the first person he met was named Joshua. Et la première personne qu'il a rencontrée s'appelait Josué. Joshua was a Satanist. Josué c'était un sataniste. And he is a brilliant man. Et c'était une personne qui était très intelligente. For a Satanist. Il était pour Satan, mais il était très intelligent. Everything he reads, he memorizes perfectly. Et le gars, tout ce qu'il lisait, il le mémorisait, il l'imprimait parfaitement. And he reads a new book every day. Et il mangeait un livre par jour. So it's hard to argue with Josh. Donc c'était vraiment dur de gagner un débat avec Josh, avec Joshua. My pastor friend was willing to try. Et son pote pasteur, il voulait essayer le bras de fer un débat avec Josué. Josh the Satanist said to the pastor, "Oh, I like Jesus." Et donc Josué, le sataniste, il disait au pasteur, "Mais moi je kiffe Jésus." He said, "I think Jesus is a good man." Je pense que Jésus c'est un super and bon a gars. Good teacher. J'aime Jésus et c'est un super enseignant. But I don't believe he's God. But Mais I je ne crois pas qu'il soit Dieu. This was an opportunity for my pastor friend to argue with him. Et donc c'était une super opportunité pour mon ami pasteur d'engager un débat avec lui. Jesus claimed to be God. Mais Jésus il a clamé qu'il était Dieu. Now, only crazy people claim to be God unless they are God. Donc, pour proclamer que tu es Dieu, c'est soit tu es fou, soit tu es Dieu. So Jesus either is God, or he's a crazy lunatic, or he is a liar. Donc, il y a soit Jésus, il était Dieu, soit c'était un quelqu'un de lunatique, complètement fou, soit c'était un menteur. This is a common argument in many books. Donc ça, c'est un débat, une façon d'aborder le débat classique dans plein de livres. So my pastor friend thinks he has Josh. Donc mon ami pasteur, il dit c'est bon, je vais avoir Josh. So he starts the argument. Donc il a commencé son débat. And Josh stops the argument. Et Josué il a arrêté le débat tout de suite. And he says, "Oh, I like C.S. Lewis. That's one of my favorite authors." Il a arrêté le débat et il a dit, "Ah, mais moi aussi j'aime bien C.S. Lewis. C'est un de mes auteurs favoris parce que c'est." C'était un des premiers à aborder les débats comme ça. Satanist score. Donc, 1 pour les satanistes, 0 pour les chrétiens. Pastoral missionary, 0. Ouais, 1 pour les satanistes et 0 pour les pasteurs missionnaires. Later that week, Josh came to our church. Après, quelques semaines après, Josué, il est venu dans notre église. We always take a break at our church. Il y a toujours un moment de break dans notre église. And part of it is because everybody wants to quickly run outside. Et on fait toujours une petite pause parce que tout le monde veut sortir dehors à un moment. Because in California, you cannot smoke a cigarette inside. Parce qu'en Californie, c'est interdit de fumer à l'intérieur. Donc en fait, il faut une pause au milieu du culte pour que les gens ils puissent aller fumer leur clope dehors. And we figure, let's get them off methamphetamines first. We'll worry about nicotine later. Voilà. Et donc nous, notre église, on dit, on va essayer. On se focalise sur le fait qu'ils arrêtent la cam, la drogue dure, la méthamphétamine, et puis ils arrêteront de fumer plus tard. And if we don't give them a break, they're not going to hear anything that's said because they'll be only thinking about a cigarette.
Et donc, si on leur donne pas une pause au milieu du message, ils vont pas écouter parce qu'ils vont être en manque de nicotine. So I look out the window during the break and I see Josh talking with a girl named Mick. Et donc, une fois que c'était pendant le break au milieu du culte, et donc il a vu Josué qui parlait à une fille qui s'appelait Mick. Mick is one of our very first brand new disciples. Et Mick, c'était une fille qui venait juste de se convertir. C'était une toute jeune convertie. At the time, she was only 18 years old. Et à l'époque, elle avait 18 ans. Came from a very bad background. Et elle venait d'un très mauvais arrière-plan familial. She was a brand new Christian. Et elle était juste nouvelle convertie. And she was talking with this brilliant Satanist. Et elle parlait avec ce sataniste qui était tellement intelligent, tellement brillant. Who had just destroyed a professional missionary. Et il venait de casser en deux un missionnaire professionnel. So I worried for her. Josué, donc il venait de démonter un pasteur missionnaire qualifié, donc je me faisais du souci pour Mick. As any pastor would. Comme tous les pasteurs qui veulent prendre soin de leurs enfants spirituels le feraient. After church was over, I pulled her aside. I said, Mick, are you okay? Donc, à la fin du culte, je suis allé voir Mick et je lui ai dit, alors, ça va, tu te sens bien? She said, yeah, I'm fine. Why do you ask? Elle dit, ouais, bien sûr, ça va super bien. Pourquoi tu me demandes? I saw you talking with Josh. Bah, je t'ai vu là, tu étais en train de parler avec Josué. And Josh is hard to talk to. Et Josué, c'est dur d'avoir un débat avec lui, de parler avec lui. I wanted to see if you're okay. Et donc, je voulais savoir si tu te sentais bien, si ça allait. Yeah, he just kept talking. Elle dit, ouais, il a fait que parler. I just kept listening. Moi, j'ai juste écouté. And he kept talking. Et il a continué à parler. And I was listening. Et j'écoutais. And finally, he stopped talking. Et à la fin, quand même, il s'est arrêté de parler. And I said, et j'ai dit, Josh, you're too smart for me. I can't keep up with you. Et Josué, t'es trop intelligent pour moi. Je peux pas parler avec toi. But I sense in my heart that you're lonely. Mais je sens dans mon cœur que tu es seul. I was lonely too. Moi, j'étais seul aussi. And when I went to bed at night, I would think nobody in the world will care if I wake up tomorrow or not. Et des fois, j'allais me coucher le soir et je me disais, en fait, si je mourais dans la nuit et si je me réveillais pas demain matin, et ben en fait, il y aurait personne qui s'en soucierait. Tout le monde n'aurait rien à faire sur la planète. Now I know Jesus. Et maintenant, je connais Jésus. And even if no one else does care if I wake up tomorrow, I know Jesus cares. Et même si personne, si je compte pour personne d'autre, si personne dans la vie, et ben je sais que je compte pour Jésus. And I am not lonely anymore. Et là, je sais que je ne serai plus jamais seul. And for the first time in his life, Josh had nothing to say. Et pour la première fois de sa vie, Josh, il n'avait plus rien à dire. She cut through all the stuff he said and heard his heart. Et donc elle a défoncé, elle a coupé court à tout ce qu'il avait à dire et elle l'a frappé directement au cœur. And she listened to the Holy Spirit and knew what to say. Elle savait pas quoi dire, elle a juste écouté le Saint-Esprit et bing, elle savait quoi dire. Later that week, I was driving through the streets. Et plus tard, on était en train de conduire. And I saw Josh walking down the sidewalk, so I pulled over. Et j'ai vu Josh qui marchait sur le trottoir, alors j'ai mis mon clignotant. I rolled down my window. J'ai descendu ma vitre. That's what pastors have to do. They don't have buttons. C'est ce que les pasteurs doivent faire. Ils n'ont pas de boutons. C'est... I said, Josh, do you want to ride? Et j'ai dit, Josh, tu veux que je te dépose, que je te jette quelque part? He said yes, and he got into my car. Et il a dit oui, et il est monté dans ma voiture. And as I pulled into the traffic, he made an announcement. Et alors qu'on était en train de coincer dans les embouteillages, il a fait une petite annonce. He said, Neil, I have decided to change my religion. Il a dit, Neil, j'ai décidé de changer ma religion. Now, in my mind, I'm thinking, he's a Satanist. Any change is a step in the right direction. Je me suis dit, bon, alors à mon avis, il est sataniste et il a fait un pas vers la bonne direction. So I determined to encourage him no matter what he says. Alors je me suis dit, je vais l'encourager quelle que soit la direction qu'il ait choisi, parce que ça peut pas être pire que sataniste. So I said, what are you going to change your religion to? Alors, je lui ai demandé, tu vas changer ta religion pour quelle religion? He said, I'm either going to become a Buddhist or a Christian. Et il dit, je sais pas, je vais devenir bouddhiste ou chrétien. Now, when I was younger, alors il dit, quand j'étais plus jeune, I would have told him all the reasons why Buddhism is not a good choice. So he only has one choice, and that's Jesus. Excuse me. I would have.
No, no. When I was younger, when you was young, in that kind of circumstance, I would have told them Buddha is not a good option. Okay. Donc quand j'étais plus jeune, j'aurais dans ce genre de cas, je lui aurais donné mille et une raisons pour lesquelles Jésus c'est la meilleure solution et par rapport à Bouddha. But I've done this enough now that as soon as I start to attack Buddhism, he will defend Buddhism. Mais je l'ai fait tellement de fois que je sais que plus je vais attaquer le bouddhisme, plus il va défendre le bouddhisme. So by attacking Buddha, I will make him more committed to Buddha. Donc plus je vais essayer de descendre Bouddha, plus il va être il va le défendre, donc il va être fan de Bouddha quoi. So listening to the Holy Spirit, I decided to take a different tactic. Donc, à l'écoute du Saint-Esprit, j'ai décidé de prendre un chemin différent. I just ignored Buddha. J'ai juste ignoré Bouddha. I assumed Buddha was not in the car, but Jesus was. Je suis parti du principe que Bouddha, il n'était pas dans la voiture, mais que Jésus, lui, il y était. So I said, Josh, why on earth would you want to be a Christian? Et je lui ai dit, mais Josué, mais quelle idée! Par quelle idée sur la planète, toi, tu voudrais devenir chrétien? I thought it would be good if he defended Christ. Ah, je me suis dit, ce serait cool si Josué se mettait à défendre Christ. So then he said to me, alors il m'a dit, I have studied all the ancient religions and their sacred literature. J'ai étudié toutes les religions anciennes et leur littérature secrète. And I have found that Christianity has one thing that no other religion has. Et j'ai trouvé que le christianisme, il avait une chose que aucune autre religion avait. Now I'm curious. Et moi, maintenant, du coup, je suis vachement curieux. What did you discover, Josh? Je me dis, attends, qu'est-ce que tu as découvert, Josué? What is it that Christianity has? Josué, qu'est-ce que tu as découvert que le christianisme a, que aucune autre religion a? One word. Grace. Grace. Juste un seul mot, la grâce. All the other religions, you have to do things to get God to like you. Dans toutes les autres religions du monde, il faut que tu fasses des choses pour que tu sois accepté par Dieu. In Christianity, God loves you no matter what you do. Et dans le christianisme, Dieu t'aime quel que soit quoi que tu fasses. And you don't have to do anything to please him. Et t'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour lui plaire. And then he said, the best picture of grace was Jesus dying for us. Et ensuite il a dit, la plus belle image, la plus belle définition de la grâce, c'est Jésus qui meurt pour nous sur la croix. And I looked over and he was crying. Et j'ai regardé discrètement et il était en train de pleurer en fait. As he talked about Jesus giving his own life so that he could have life. Alors qu'il était en train de parler de Jésus qui donnait sa vie pour que lui-même puisse avoir la vie sauve. And the best presentation of the gospel I've ever heard came from a Satanist in my car. Et la plus belle présentation de l'évangile que j'ai entendu de ma vie, eh ben je l'ai entendu de la bouche d'un sataniste dans ma voiture. Not because we read a book about how to argue for the gospel. Pas parce que j'avais lu un livre d'apologétique qui me disait comment vaincre tous les débats, gagner tous les débats intellectuellement. Not because we prepare a certain way to share the gospel with everyone. Pas parce que j'avais préparé des stratégies pour partager l'évangile à tout le monde. It wasn't because we had an answer for every question. C'est pas parce que j'avais la réponse imparable pour chaque question. But Mick and I were just listening to God, and the words that came out were the right ones in the moment. Mais Mick et moi, on écoutait, on était à l'écoute du Saint-Esprit, et on recevait les bons mots au bon moment pour y répondre à ces questions. And you have access to that Holy Spirit. Et vous avez accès à ce même Saint-Esprit. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Retrouvez-nous également sur notre page Facebook ainsi que sur le site internet jesusmiracledenosvies.fr. Pour nous soutenir, vous pouvez visiter notre boutique ou faire un don à partir du lien qui s'affiche à l'écran.